Bonjour, je m'appelle Pauline Morantin, je suis maîtreuse dans une entreprise du bâtiment près de Nantes. Le cœur de métier de mon entreprise, c'est la maison individuelle. À partir du plan de l'architecte ou du dessinateur, je réalise un devis précis du coût de la construction. Qualitatif. Au départ, il y a une réunion avec le commercial et le dessinateur pour me transmettre le projet pour que je puisse réaliser le devis. Globalement, c'est un jeune couple avec enfant qui va recevoir des personnes de la famille au rez-de-chaussée. Ok. Donc il faut calculer le nombre de mètres carrés de murs. Je vais aussi calculer le nombre de WC, le mètre carré de peinture, l'électricité, le nombre de prises, la plomberie, le parquet, le carrelage, les plinthes, les portes, les escaliers, la main-d'œuvre, tout ce qui constitue les matériaux d'une maison. Aujourd'hui, avec les normes environnementales, une maison, elle doit être bien isolée. Elle doit aussi respecter l'environnement. On a des règles à connaître. J'ai intégré un bac pro où en fait on apprenait à dessiner des plans techniques de maison. Et donc après je me suis plus orientée vers l'économie du bâtiment. 96. Je travaille dans un bureau, j'ai pas de déplacement sur le chantier. Je travaille seule pour réaliser mon devis. Par contre, je suis en lien avec beaucoup d'autres collègues pour les plans, pour les achats, connaître le prix des matériaux. Là, j'ai chiffré la toiture terrasse avec végétalisation. Notre devis, il centralise toutes les données de la construction. Si on oublie des choses, on perd de l'argent. Donc, il y a une certaine responsabilité et ça demande forcément une grande rigueur. J'aime chercher des solutions à un problème. Par exemple, un balcon suspendu dans le vide. Normalement, on doit mettre des poteaux. Mais là, l'architecte a dit non, je veux pas de poteaux. On va voir d'autres collègues maçons pour leur demander comment ils verraient la chose. Je conseillerais à un jeune qui souhaite s'orienter vers ce métier d'être curieux parce qu'il peut être exercé d'une façon différente d'une structure à l'autre. Comme j'ai une connaissance globale du bâtiment, je pourrais dévier vers de la conduite de chantier. Je pourrais aussi être commerciale. Dans mon entreprise, beaucoup sont passés par le métier de maîtreur, y compris le PDG.